Prions ensemble, moi, nos fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous offrons au Seigneur notre Dieu. Soyez juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, il te Seigneur.
Thank you.
cher Thomas, vous sentez sa continuité. Nous sommes contents et Dieu est très content de vous et de nous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Bonne fête à tous et à chacun.
Voilà, je n'ai pas pour habitude de prendre la parole lors de notre repas de Sainte-Cécile, mais une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, j'avais envie de dire un petit mot, si vous le voulez bien. C'est toi le chef. Ça commence. Sur de ce matin. Je crois qu'on en a déjà suffisamment parlé. Tout le monde était heureux, content, enthousiaste. Voilà, c'était très bien. Vous y avez mis tout votre cœur. C'est la chose la plus noble pour la réussite. Je ne peux que dire merci. Merci à vous, choristes fidèles. Merci de votre amitié sincère. Nous formons un groupe où chacun, je pense, se sent bien. Et je forme le vœu que cela continue encore longtemps, très longtemps. Merci au comité, Christian l'a déjà dit, je le répète, qui œuvre sans relâche pour la réussite de notre fête de Sainte-Cécile et d'autres fêtes aussi. Je veux parler de Bernard, Christian, Bernadette, Colette, Linda, Vincent et Jacqueline, à qui l'on peut donner une mention toute particulière pour la décoration florale. Bravo. Tant à l'église que sur les tables du repas. Tu t'es surpassée, Jacqueline. Bravo et merci à toi. J'aimerais dire aussi à Adeline combien je suis heureuse de son retour parmi nous. Je suis émue, mais bon. Bienvenue Adeline. C'est une excellente nouvelle. Alors pour terminer, j'aimerais que chacun ait une pensée pour nos amis choristes qui sont quelque part là-haut. Je vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée. Merci. Merci.